Bonjour à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal Toute Image sur KMT, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. L'huile d'olive est excellente pour la santé. Elle contient de nombreux antioxydants et minéraux, ce qui soutient l'évacuation des toxines de l'organisme. Il est bien entendu facile de vous en servir pour vos menus. L'air aujourd'hui en Martinique est bon, il pourrait être dégradé demain. C'est demain, mardi 15 août, que va avoir lieu dans les rues du centre-ville de Fort-de-France la Foyale Color, 5 km de course pendant laquelle on est aspergé de poudre colorée. L'objectif étant de parvenir sur la ligne d'arrivée le plus colorée possible. Le monde de l'hôtellerie et de la restauration se plaint actuellement de ne pas trouver de main-d'œuvre sur le marché du travail. C'est vrai qu'il faut dans ce secteur-là du personnel qualifié et qu'il est plus que difficile pour la Coupe de la Cannes, par exemple, de faire venir des gens d'ailleurs. Le Baka Festival qui s'est déroulé à la Pointe Foula au Vauclin a connu, comme les années précédentes, un franc succès. Porté, il est vrai, par des artistes talentueux, mais également par de nombreuses femmes surexcitées et souvent aussi plutôt dénudées, parfois comme un remake de la Mercury Beach. Certains médias avancent le chiffre de 24 000, un chiffre hasardeux, puisque bien entendu, souvent les mêmes personnes y sont allées deux fois, puisque la manifestation s'est étalée sur deux journées. Reste, répétons-le, que le succès était au rendez-vous et que cette année, contrairement aux années précédentes, l'organisation a été parfaite à tous les niveaux. Nous vous avions rendu compte de l'altercation qui avait eu lieu au quartier Cigy entre un boulanger et un client qui lui reprochait de lui avoir vendu un sandwich fait avec du pain rassis. Le client avait volontairement renversé le boulanger avec sa voiture. Ce dernier étant armé d'un coutelas, condamné en comparution immédiate, le client a été condamné à 30 mois de prison ferme et a versé 3000 euros. Steve Moreau, l'adjoint au maire chargé de la sécurité de la ville de Fort-de-France, a présenté ses sincères condoléances aux proches d'Alfred Vénite, ce distributeur de France Antilles récemment tué par balle à Cité d'Ilon. Comme beaucoup d'autres, l'adjoint au maire dénonce la circulation des armes en Martinique et regrette que la police nationale ne dispose pas de moyens suffisants pour y mettre un terme. Les frontières de la Martinique sont une vraie passoire. On est dans l'incapacité de contrôler ce qui rentre par la mer, regrette-t-il. L'adolescence peut être une période de questionnement intense sur les origines et l'abandon pour les enfants qui ont été adoptés. Certains adolescents adoptés peuvent ainsi être confrontés à la question de leur abandon ou de la perte de leurs parents biologiques. D'autres choisissent de ne pas chercher à dissiper ce mystère. Il est toutefois important pour les parents d'adolescents adoptés de ne pas tout ramener à l'adoption dans les tensions familiales, car de nombreux conflits adolescents sont classiques et liés à l'affirmation de soi ou encore aux rivalités fraternelles, par exemple. Ils ont un rôle crucial à jouer dans le cheminement de leur enfant. Les interrogations sur l'identité chez l'ado adopté dépendent notamment de l'âge auquel il a été accueilli dans sa famille adoptive. Les conditions de vie et d'éducation de la petite enfance peuvent également jouer un rôle dans les problèmes d'attachement qui peuvent surgir à l'adolescence. Si les interrogations des adolescents adoptés deviennent trop fortes, trop vives, il est conseillé de consulter un spécialiste pour accompagner l'adolescent et ses parents tout au long de cette période délicate et même après, si nécessaire. Le personnel d'Air Caraïbes a décidé de prolonger jusqu'au 20 août sa grève qui aurait dû se terminer le 11 août. Selon lui, les réponses données à ses revendications par la direction de l'entreprise ne sont pas satisfaisantes.
Le dispositif de gratuité des livres scolaires dans les lycées publics et privés, instauré par la collectivité territoriale de Martinique, se met en place à compter de la rentrée de septembre 2023. Il s'agit pour la collectivité de soutenir le pouvoir d'achat des familles et d'offrir à tous les lycéens un égal accès à l'éducation. À ce jour, 35 établissements sur 36 ont confirmé la mise à disposition des manuels scolaires aux lycéens à partir du mois de septembre et la collectivité leur a d'ores et déjà versé la dotation spécifique puisqu'ils sont signataires de la convention pour l'achat de manuels scolaires. Notons que les livrets d'apprentissage, cahiers d'exercice, ouvrages de littérature ne sont pas concernés par le dispositif. Seul un établissement a indiqué qu'il n'était pas en mesure de proposer le dispositif pour la rentrée 2023. Il s'agit du lycée Montgérald au Marin, dont les parents d'élèves devront donc procéder à l'acquisition des ouvrages. Les 35 établissements signataires se chargent de l'acquisition des ouvrages en format papier ou et numérique qu'ils mettent à disposition des élèves à titre gratuit dans le cadre d'un système de prêt. Ajoutons que les lycées concernés sont très divers, publics ou privés sous contrat de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture, l'ECTA, LPA, de l'École de formation professionnelle maritime et aquacole et des maisons familiales rurales. En finale de la Coupe des clubs champions des nations de la Caraïbe organisée par la CONCACAF, le Golden Lions s'est incliné devant l'équipe championne du Suriname, le Robin Hood. Le score est lourd, 5 buts à 1. Dans le cadre de la fête de la ville du Lamantin, la place André-Aliker accueille ce soir, lundi 14 août à 19h, les Lamantins de la mode. C'est un défilé proposé par Eliane Césaire qui œuvre dans la haute couture et Jeffery Duranville, un designer bien connu. L'allocation de rentrée scolaire de 400 à 420 euros sera versée mercredi aux familles qui ont droit, c'est-à-dire les familles les plus nécessiteuses de notre pays qui ont des enfants scolarisés. Elles sont environ 20 000. L'île de Hawaï a donc été pratiquement complètement détruite par un gigantesque incendie. On continue de compter les morts, 93 pour l'instant. Jeux vidéo, formation de pilote d'avion ou traitement des phobies, aujourd'hui, la réalité virtuelle est largement utilisée, mais une méthode inédite arrivera en 2025 en Corée du Sud. Grâce à des casques de réalité virtuelle, l'Agence nationale de la police souhaite faire passer des tests aux personnes de plus de 65 ans pour vérifier si elles sont toujours capables de prendre le volant. Tous les sens devraient ainsi être passés au peigne fin, compétences de conduite, capacité cognitive, mémoire ou attention. Pour l'instant, le contenu précis du test n'a pas encore été dévoilé par les autorités. Dès l'année prochaine et pendant 3 ans, elles vont réaliser une étude pour créer le test le plus pertinent et performant possible. En tout, 900 000 euros seront alloués à ce plan unique et il devrait même atteindre les 2,7 millions d'euros. Si le test entre en vigueur, de nouvelles règles pourraient être intégrées au droit coréen en 2025. Parmi elles, une visite médicale avec des examens mobilisant la réalité virtuelle deviendrait obligatoire pour les personnes âgées. Cette initiative s'inscrit suite à une étude de 2018 menée par la police du pays. Elle démontre que sur 10 000 conducteurs sud-coréens, les seniors sont près de 2 fois plus impliqués dans les accidents de la route que les trentenaires. La Corée du Sud fait également face à une croissance constante du nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus, représentant actuellement 16,5% de la population totale. N'est-ce pas aussi notre cas? La Martinique est, on le sait, classée par l'UNESCO réserve de biosphère. Certains pensent qu'elle devrait tenter d'exploiter ce label sur le plan touristique. Pas forcément facile quand on sait que 700 territoires en bénéficient également dans 134 pays différents sur les 1976 qui existent dans le monde. Le fils de Joe Biden, le président des États-Unis, est accusé de fraude fiscale et d'affaires douteuses avec l'étranger.
Le ministre de la Justice américaine a annoncé avoir nommé un procureur spécial pour enquêter sur lui de façon indépendante et approfondie. En juin, Hunter Biden avait plaidé coupable dans une affaire de fraude à l'impôt fédéral sur le revenu. Récemment découvert, le variant Eris se retrouve dans près de 35% des nouveaux cas de Covid-19 en France. Il se transmet plus facilement, résiste mieux aux anticorps et aux vaccins, mais il serait moins virulent. Les Martiniquais qui ont participé au tour cycliste de la Guadeloupe ont été particulièrement médiocres puisque le premier d'entre eux termine à la 43e position. C'est un Guadeloupéen, Benjamin Lény, qui a gagné le tour avec l'aide d'une équipe française, la Vendée U. Réparer, réutiliser plutôt que de racheter un produit neuf. Dans sa dernière étude, l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, tire un bilan très positif du marché du reconditionné pour l'électronique grand public. De manière assez logique, utiliser un produit reconditionné, c'est-à-dire bénéficiant d'une remise à niveau avant sa revente, permet d'éviter d'en fabriquer un neuf et donc de réduire l'impact environnemental. La substitution d'un ordinateur portable neuf par un ordinateur portable reconditionné permet d'éviter l'extraction de 127 kg de matière par année d'utilisation. Pour un smartphone, ce sont 77 kg de matière première et l'émission de près de 25 kg de CO2 par année d'utilisation qui sont économisées. La fête de la commune de Sainte-Marie commence comme toutes les années le 15 août. Elle se poursuivra le samedi 19 et le dimanche 20 août. De nombreuses animations musicales sont prévues, notamment avec la Perfecta de Polo Alba. À ne pas manquer, la course de chevaux sur la plage, ce sera le samedi 19 août à 15h. On a beaucoup parlé du TEPSCAN installé en Martinique. On ne comprend pas pourquoi il n'est toujours pas opérationnel. Dans le même temps, celui de la Guadeloupe croit que installé relativement récemment est déjà tombé en panne. Dur donc, dur de se faire soigner pour les malades atteints de cancer, quand de surcroît il manque cruellement d'oncologues dans notre pays. Il en faudrait 6 au moins, il n'y en a que 4 et bientôt 3. Dans le cadre de l'aide que la collectivité territoriale de Martinique accorde aux Martiniquais qui retournent dans leur pays, il faut noter la mise en place du pôle famille qui a pour objectif de faciliter et d'accompagner l'installation des familles par une assistance dans leur démarche d'installation, par la mise en place de gardes alternatives pour les enfants, mais également par des incitations à la natalité avec notamment une prime de 2000 euros pour le second enfant à destination des personnes intégrées dans le dispositif dans le cadre de la GPEEC, gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et ayant un revenu inférieur à 1,5 fois le SMIC pour une personne seule et 2 fois le SMIC pour un couple. La question statutaire reste au cœur des relations entre l'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie, qui a reçu dernièrement la visite du président français. Petit retour en arrière. En 1998, l'accord de Nouméa est signé entre le gouvernement français, des représentants du FNLKS indépendantiste et des représentants caldoches, essentiellement d'origine européenne. L'accord repousse de 20 ans la tenue du référendum statutaire, mais il institutionnalise également une forte autonomie de la collectivité. L'État partage avec la Nouvelle-Calédonie différentes compétences législatives, juridictionnelles et administratives. Lors des référendums de 2018 et 2020, les Kanaks, qui représentent à peu près 45% de la population, votent en faveur de l'indépendance. Les autres communautés votent contre. L'ethnicisation du vote est donc une réalité. À l'occasion du troisième référendum de décembre 2021, 96,5% de non sont enregistrés. Mais les principaux partis indépendantistes avaient appelé au boycott en raison du contexte sanitaire de la crise du Covid. Ils contestent d'ailleurs depuis la légitimité démocratique de ce dernier référendum auprès d'organisations internationales.
Concernant la réforme statutaire, le principal point d'achoppement porte sur la définition du corps électoral pour les scrutins locaux et référendaires. En effet, les indépendantistes exigent que les personnes installées sur le territoire après 1994 en soient exclues. Elles sont au nombre de 34 000. Lors de sa récente visite, Emmanuel Macron a annoncé qu'après les provinciales de 2024, il faudra un changement de la Constitution pour entériner un nouveau statut qui reste encore à inventer. Tâche d'autant plus ardue que les partis des deux camps refusent pour l'instant de se parler. Certains élus indépendantistes ont d'ailleurs refusé de rencontrer le président. Ajoutons que dans cette même région indo-pacifique, les habitants de Polynésie française ont élu en 2023 une assemblée et un président indépendant. Sondage. Sondage. En Martinique, dans les familles, on parle de plus en plus créole ou au contraire de moins en moins? De moins en moins créole, hein? Ben, je ne sais pas, c'est l'école, l'éducation des parents qui interdisait les enfants de parler créole. On leur disait de parler français, dis maman, parler français, pas moi. Voilà. Et puis maintenant, ça commence à revenir, mais il y a certains endroits, surtout dans les îles anglaises, parce que je le connais, dans les îles anglaises, ils ne parlent pas créole. Les enfants ne parlent pas créole. Ce sont les anciens qui parlent créole. Alors, j'ai remarqué qu'en Martinique et en Guadeloupe, nous parlons créole dans la rue, couramment, machin comme ça. Mais par contre, les jeunes générations qui arrivent ne parlent pas tellement créole. Ah non. On parle des deux parce que le créole est toujours mélangé avec le français. Je ne sais pas si c'est pour changer ou donner une autre forme des paroles, mais c'est toujours mélangé. Alors, je ne peux pas dire que le créole... On utilise le français quand on a envie d'utiliser le français. Mais le créole est toujours parlé. Je trouve qu'on parle de plus en plus le créole dans la famille parce que dans ma génération, c'était difficile de parler créole pour sa mère. Et à présent, les enfants parlent créole à leurs parents. Sinon, on parle. Les enfants parlent créole parfois à leurs parents. Et mes enfants me parlent créole. Mon fils me parle créole. Je pense au contraire qu'on parle de plus en plus créole dans les familles. Ça tend à se démocratiser. Les plus petits ne sont plus interdits de parler créole. Par contre, je pense qu'on parle de moins en moins bien créole. Le créole est de plus en plus francisé. Les jeunes ont des difficultés avec les mots et avec des expressions. Mais je pense qu'on est tellement aussi occidentalisé avec la télévision, avec les nouveaux modes de vie, que l'imaginaire créole disparaît quand bien même la langue réintègre les familles. En Martinique, dans les familles, on parle de plus en plus créole ou au contraire de moins en moins? Alors, dans les familles, surtout les familles qui veulent véritablement inscrire la question du territoire dans leur projet d'éducation, le créole est à usage, je dirais, de poétique familiale. On n'injurie pas en créole seulement, on se parle en créole et on dialogue en créole. Ben moi, j'ai l'impression, moi je suis de la métropole, j'ai l'impression depuis mon retour qu'on parle de plus en plus créole au niveau des familles en Martinique. Et je trouve ça bien parce que ça permet justement de garder cette langue qu'on a souvent entendu les parents parler et puis un peu moins nous. Et ça permet justement de garder cette culture, notre culture qui nous est propre. Alors, je ne sais pas si on peut parler de plus en plus créole dans les familles martiniquaises, mais en tout cas, je sais que les familles qui font le choix de prendre kilti Martinique et puis mettre un didan kayo, yo ka parler créole et puis chaud. Moi, je m'en dit tout simplement, je ne peux pas prendre comme exemple, mais je suis plus grand, j'ai 33 ans, je suis tout capoté non créole. Voilà. Donc, si on ne pas comprendre ça, que les ou utiliser créole là, ou quoi nourrir tout ça qui est dit dans, tout ça qui est dit dans, ichou, il n'y a pas de comprendre. Voilà. Ah, de plus en plus, le créole, hein. Comme samedi soir, on a eu un petit repas, et ben, c'était le créole, hein, entre amis. Hein. Ah oui. Moi, pareil, je trouve franchement que de plus en plus, nous parlons créole. Ouais. Sondage. Sondage.
Les pellicules sont dues à un renouvellement trop rapide des cellules du cuir chevelu qui, en s'éliminant, se détachent sous la forme d'une fine poudre blanche ou de petits amas graisseux, appelés squames. Attention toutefois à ne pas confondre état pelliculaire et mauvais entretien de la chevelure. En effet, un shampoing ou un après-shampoing mal rincé peut se redéposer sur le cheveu et s'amalgamer aux salissures et aux poussières, ce qui forme de petits dépôts blancs irritants s'apparentant aux pellicules, mais bien évidemment différentes de ces dernières. Sèches, les pellicules n'adhèrent pas au cuir chevelu et ne sont généralement gênantes que d'un point de vue esthétique. A contrario, lorsqu'elles sont grasses, les pellicules sont aussi plus grosses et ont tendance à s'agglutiner sur le cuir chevelu, provoquant ainsi des troubles annexes. Quel que soit le type de pellicule, les premiers gestes à faire pour les éliminer autant que pour les prévenir est d'adopter une hygiène rigoureuse et de se laver les cheveux aussi souvent que nécessaire. Un lavage quotidien n'est pas contre-indiqué contrairement aux idées reçues. Si les pellicules sont sèches, les lotions, crèmes et shampoings antipelliculaires classiques suffisent généralement à enrayer le processus. Lorsque les pellicules sont grasses, il faut en plus agir sur la production de sébum, mais aussi parfois associer au traitement des substances antifongiques et de l'acide salicylique, lesquels détruisent les agglomérats. Pour être efficace, un traitement des pellicules doit au moins durer une dizaine de jours à raison de 2 shampoings traitants par semaine, à laisser poser minimum 5 minutes sur la chevelure. En cas de récidive ou de problème grave, demandez conseil à un dermatologue. Ce journal a été préparé par Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Marie-Flore Rosa, Françoise Augustin, Pierre Laouchevitz, Getty Galva, Sarah Verne, Marlène Édouard, Marie-José Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Passez une bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.